Depuis plusieurs années, Tom Bradby est un ami proche du prince Harry. Le journaliste de 54 ans a accepté de se livrer sur son amitié avec le fils de la princesse Diana devant les caméras de l'émission Love Your Weekend sur la chaîne ITV, avec l'animateur Alan Titchmarsh. Si l'émission ne sera diffusée que ce dimanche 16 janvier, le magazine People s'est procuré la séquence où Tom Bradby parle. Le journaliste a expliqué que selon lui, le prince Harry et Meghan Markle ont fait le bon choix en partant vivre en Californie, je pense qu'ils se sentent mieux, oui. Alors sont-ils malheureux? Non, je pense qu'ils sont satisfaits, les choses qu'ils font les excitent. Puis, Tom Bradby a confié qu'il y a tout de même une ombre au tableau concernant le prince Harry, je pense qu'il a le cœur brisé par la situation avec sa famille, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des connaissances pour le savoir, mais je pense que si est-il vrai. Sur sa lancée, le journaliste a expliqué que selon lui, il y a encore de la souffrance et des sentiments blessés dans tous les côtés de la famille royale britannique, y compris chez le prince William. Je pense que le public veut désespérément que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux et il est clair que ça n'a pas été le cas au cours de la dernière année. Ce n'est pas une situation très facile ou confortable, a-t-il poursuivi. Une famille et une entreprise à la fois. Pour conclure son entretien, le journaliste a tenu à souligner un point important, vous devez vous rappeler que ce n'est pas seulement une famille, si est-il une entreprise. Il travaille dans le service public sur une plateforme très élevée et exposée et, dans une certaine mesure, ils y sont tous enfermés ensemble. Et si est-il justement cette situation qui crée beaucoup de tensions que les gens voient clairement de l'extérieur? Seulement malgré ces tensions, tous essaient d'être une famille. Si est-il compliqué et franchement difficile, a terminé Tom Bradby.